Horoscope Sagittaire du 30 avril 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope amour. La journée s'annonce très prometteuse côté couple. La planète Vénus bien aspectée vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l'existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Les liens du cœur seront à la douceur et l'amour vous offrira ses riches heures. Pour vous, célibataire, cette journée sera placée sous le signe du plaisir. Vous n'aurez guère envie de vous fixer. Pourtant, Vénus sera là, ce qui pourrait vous amener à rencontrer celui qui vous donnera follement envie de vous marier dans les plus brefs délais. Horoscope argent. Dans le domaine matériel, la prudence est recommandée. Vous risquez de connaître des retards dans vos rentrées habituelles d'argent. Aussi, évitez soigneusement d'engager de gros frais ou de solliciter d'importants crédits pour vous équiper ou pour rénover votre logement. Horoscope santé. Pour s'occuper de votre santé, deux planètes de vitalité et de résistance physique, le Soleil et Jupiter, en bel aspect. C'est dire si le moment vous trouvera en pleine forme, et plus encore si vous pratiquez un sport associé à un bon régime alimentaire. Si vous souffrez d'une affection chronique, un nouveau traitement pourrait améliorer votre état. Horoscope travail. Vous bénéficierez d'un climat qui vous permettra de faire preuve d'une confiance en vous-même à toute épreuve. Aucun obstacle ne pourra vous résister si vous vous fixez des buts précis et accessibles et si vous montrez de la persévérance. Horoscope famille. Saturne en aspect harmonique vous aidera à assumer gracieusement vos responsabilités familiales. L'ambiance sous votre toit sera studieuse et vos enfants auront intérêt à ramener de bons résultats scolaires, sportifs ou artistiques. Ne vous montrez pourtant pas trop exigeant ou autoritaire. Horoscope vie sociale. Ces missionnaires de Dieu ou de Jéhovah venus d'Amérique ont tout pour vous séduire. Ils sont bien habillés, polis, gentils et surtout très patients. Ils essaieront de vous faire avaler leur religion. Ils n'épargneront aucun effort pour sauver votre âme. Et également pour alléger plus tard votre compte en banque. Vigilance donc. Le meilleur moyen d'échapper à leur emprise sera de leur claquer la porte au nez, sans façon.